5 tonnes de cigarettes américaines, 250 000 paquets, valeur 1 600 000 euros. Ces cigarettes proviennent d'Espagne, leur destination, la Belgique. Ces cigarettes viennent généralement de pays où elles sont relativement peu chères, donc souvent de pays émergents, ça peut venir d'Afrique, du sud-est asiatique, et sont destinées par les organisations de fraude aux marchés beaucoup plus lucratifs qu'on va retrouver, eux, dans le nord de l'Europe, France, Grande-Bretagne, Irlande notamment. C'est l'itinéraire suspect de ce semi-remorque qui a alerté les douaniers. Ils ont alors procédé à l'interception du camion près de l'aéroport de Poitiers. Ce trafic est en augmentation en France. En 2005 et en 2009, les douanes de notre région avaient déjà saisi 500 kilos, puis 1,5 tonne de cigarettes. Résultat, les buralistes crient à la concurrence déloyale, un mauvais coup porté à leur commerce. C'est un cauchemar. C'est notre chiffre d'affaires qui s'en va. C'est un manque à gagner énorme, et pas seulement au niveau du tabac, parce que les clients qui viennent nous chercher un paquet de cigarettes vont prendre un paquet de chewing-gum, vont prendre un livre, vont prendre autre chose avec, et ce client-là, on le perd. Mais on le perd pour le tout, pas que pour les cigarettes. Les sanctions encourues, les mêmes que pour le trafic de stupéfiants ou la contrefaçon. Le chauffeur portugais risque donc une peine de 3 ans de prison et une amende jusqu'à 2 fois la valeur de la marchandise. S'il s'agit d'un trafic en bande organisée, la peine et l'amende peuvent être triplées.